Je suis pas l'idéal sportif. On me met au départ d'une course, je n'ai pas envie de battre les autres. Enfin, c'est pas ce qui va me motiver en fait. Ce type de sportif-là, c'est pas forcément moi. Et du coup, il fallait que je trouve des solutions un peu par rapport à ça, pour pas que ça affecte ma motivation. Plus jeune, j'ai loupé plein de sélections où là j'étais pas au niveau et du coup j'avais jamais connu ce sentiment d'injustice puisque je m'étais toujours dit bah ouais, c'est que là j'étais pas indiscutable et puis bah voilà, il faut juste travailler, je serai meilleur et puis voilà. Et là c'était le cas au jeu, donc voilà. Je suis arrivé sur les jeux en étant entre guillemets plus ou moins sûr d'être dans l'équipe. Okay. Et à la veille de la course, ça a été les sélectionneurs, dont mon coach, ont changé l'équipe et du coup je suis sorti de l'équipe comme ça la veille sans trop de raisons précises, quoi. La veille du relais, donc du relais en team sprint, donc il n'y a que deux athlètes. Okay. Et je devais faire partie de ce relais parce que ça, c'était entre autres pour ça que j'allais au jeu. Et la veille, je n'ai pas été sélectionné. Moi, je l'ai vécu comme une injustice. Et du coup, on en a parlé beaucoup avec mon coach. Et puis la fin de saison était difficile, vu que tu es en train de jouer le classement général de la Coupe du Monde en même temps. Du coup, derrière, il fallait quand même que je reste prêt mentalement pour les dernières épreuves. Et ça s'est bien déroulé, puisque j'ai pu finir troisième du classement général, donc ça a bien été. Mais ça a été très dur mentalement à ce moment-là. Et ensuite, derrière, il y a eu un gros contre-coup après les Jeux. Ça a touché ma motivation et ouais, bon, ce sentiment d'injustice que j'arrivais pas forcément à évacuer après les Jeux. Ouais. Bah, je pense que déjà, si on peut pas communiquer à 100% avec son coach, c'est pas bon signe. Et puisque l'athlète et le coach veulent la même chose, c'est performer au mieux et puis se faire plaisir sur ce qu'on fait, quoi. Mm-hmm. C'est suffisamment coûteux pour que si on ne prenne pas de plaisir, ça soit pas top. Ouais. Mais du coup, ouais, clairement, je pense que si on communique et que si à un moment l'athlète a besoin d'une autre personne en prep mentale, et bah, je pense que le coach est suffisamment intelligent pour comprendre que ça va dans le sens de l'athlète et puis dans son sens aussi. Ouais. Pareil, au même titre que en fait, la première victoire, bah, où j'étais très concentré sur chaque étape qui allait amener à la victoire. Et bah, là, je restais concentré sur l'étape à laquelle j'étais, quoi. Par exemple, que ce soit la veille de la course, et bah, faire le meilleur repérage de piste possible. Et ensuite, bah, voilà, la course arrivera quand elle arrivera, quoi. Ok, ce que tu veux dire, c'est qu'au final, avoir gagné la course du week-end dernier, ça ne change pas tellement ton process pour le week-end de la prochaine fois. Tu te souviens juste que si tu as gagné, c'est parce que tu as fait les étapes bien et dans l'ordre. Et là, du coup, tu vas faire la même chose à la prochaine course, c'est ça? Voilà, ouais. Le seul truc que ça amène en plus, c'est de la confiance, puisque... Si on l'a fait le week-end d'avant, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le refaire le week-end d'après. Mes victoires, je les ai aussi construites sur beaucoup de doutes. Donc, les jours de course, même si de l'extérieur, parfois, ça paraît plus simple que ce que ça l'est réellement, il y a des fois où tout se déroule bien et puis où on a un peu moins de doutes que d'autres. Mais il y a des fois où j'ai gagné en ayant beaucoup de doutes. Et pourtant, c'était peut-être là où j'étais les fois les plus forts, quoi. Et tu dis aussi que... t'es capable d'être performant même quand il y a ce doute. Ouais, quand je passe le portillon, je suis plus que dans l'instant du ski. Ouais. Et puis bah là, à ce moment-là, dans ma tête, il n'y a plus personne qui peut me battre. En fait, ça s'est passé à une période où ce qui était pas forcément idéal, même s'il n'y a jamais de période idéale. Mais, en fait, je partais de mes années juniors, j'avais fait des super années juniors et j'ai eu la chance d'être directement dans un groupe Coupe du Monde. De sprint, du coup directement entraîné par Cyril justement. Et en fait, dès la reprise de l'entraînement au printemps, c'est là où je me suis fait mon hernie.
Et du coup, j'ai dû arrêter tout de suite, en fait. Donc, moi qui avais beaucoup d'ambition en junior, j'attendais, parce que en junior, j'avais fait des super bonnes courses avec les seniors, notamment des Coupes d'Europe où j'avais gagné au niveau des temps avec les seniors aussi. Donc, j'avais vraiment que hâte, c'était de me positionner par rapport aux seniors et au groupe, sur la Coupe du Monde et tout ça. Et en fait, ça a été assez vite balayé, puisque quand je suis redescendu de Tignes au milieu de mon stage, puisque je ne pouvais plus bouger, et que j'ai vu le médecin, et qu'elle m'a dit bah là, c'est simple, tu fais une croix sur l'hiver parce que tu as une hernie et une sciatique, et que voilà, on va déjà essayer d'éviter l'opération, tout ça. Donc direct, hein, bon, en un jour, ça s'est vraiment switché, inversé. Et en fait, après, petit à petit, relativement vite même derrière, mis à part cette journée-là, bah, forcément, où il faut encaisser un peu le coup. Mais derrière, ça m'a assez vite motivé dans mon parcours. Pas forcément sur le ski, c'était une bonne chose, mais plus en tant que personne. Et si tu pouvais parler au toi-même qui avait 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Quel conseil tu lui donnerais à ce petit jeune Lucas là, de 15 ans? Enfin, le premier truc qui me serait venu, c'est plutôt de lui dire « change rien ». Parce que je pense qu'il n'y a pas que les victoires qui sont importantes. C'est plus le chemin qui te mène aux victoires qui semble important. Et du coup, tout ce qui s'est passé jusque-là, ça a pas forcément tout été agréable, mais tout important. Et puis, je pense que je suis très content de ce qui s'est passé. Je suis pas l'idéal sportif où on met au départ d'une course. Je n'ai pas envie de battre les autres. Enfin, c'est pas ce qui va me motiver, en fait. Okay. D'être le meilleur ou quoi, ce type de sportif-là, c'est pas forcément moi. Et du coup, il fallait que je trouve des solutions un peu par rapport à ça pour pas que ça affecte ma motivation. Moi, j'adore m'entraîner, j'adore progresser. Et en fait, c'est ça qui fait que ça me motive, quoi. Parce que pour moi, tout l'entraînement, c'est le chemin. Et puis la destination, c'est ce qui en découlera, quoi. Et en attendant, le chemin reste beau, quoi. C'est extraordinaire pour moi de pouvoir te montrer les extraits de cette interview que j'ai faite avec Lucas Chanava. J'espère que tu as pu déjà en trouver quelques pépites. Et en même temps, si tu veux être sûr d'avoir comme ça plus de capacité d'apprendre auprès des sportifs du plus haut niveau international, des champions du monde et des champions olympiques, eh bien abonne-toi maintenant à la chaîne, puisque moi je vais en faire plein d'autres interviews comme ça, surtout si tu m'encourages à le faire avec un pouce bleu. Et puis ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans l'interview complète, évidemment, Lucas il délivre bien plus de pépites que ça. Et moi, l'interview complète, je la mets à disposition des sportifs et des entraîneurs qui se forment auprès de moi. Donc ça, c'est une autre possibilité. En tout cas, si tu veux continuer de recevoir du super contenu gratuit, je t'invite maintenant à t'abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très vite. Ciao.